Bonjour à toi, cher spectateur. Ferdinand de Carlos Saldana est un film d'animation qui sort dans une période extrêmement charnière. C'est pas encore Noël, et en plus, il y a Star Wars qui vient de passer juste avant. Donc, on peut être quasiment sûr que le film risque de faire un petit four. C'est un petit peu dommage parce que Ferdinand, c'est ce genre de film, en fait, duquel on entre dans la salle en se disant que ça paye pas de mine, ce genre de film. Ça cherche simplement à être mignon. C'est une histoire plutôt convenue, mais il y a cette petite idée de divertissement très simple qui peut nous donner envie de vraiment apprécier quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir dans le cinéma d'animation, c'est-à-dire un cinéma d'animation qui a moins d'envergure que ce que Disney ou Pixar peut nous proposer, mais qui reste divertissant et fun à regarder. L'histoire, pour faire simple, Ferdinand est un taureau qui ne veut qu'une seule chose dans le monde, la paix. Il vit avec Nina, une jeune fleuriste, et le jour où il va être séparé d'elle, il va décider de tout faire pour rejoindre son domicile et les bras de cette jeune fille. Et au final, c'est exactement comme ce que je viens de dire au début, Ferdinand. C'est un divertissement simple, mignon, qui se veut enjoué, qui se veut envoûtant, qui se veut entraînant, qui cherche pas à être extraordinaire, qui cherche simplement à être un film qui va avoir une durée de vie peut-être limitée. Et il semble en avoir conscience. On a la sensation que Saldana, il sait que son film va pas forcément avoir une ambition démesurée, une envergure folle, un écho assez énorme dans le cinéma d'animation ou même dans le cinéma populaire actuel. Mais il sait que son film va dégager cette petite saveur en fait qui va le rendre entraînant, simple, attachant. Et que du coup, lorsqu'on va sortir de la salle, on va se dire qu'on a vu un joli film. Pas forcément un grand film, mais simplement un joli film. C'est sûr que DreamWorks vit dans l'ombre de Pixar ou de Disney, sans le moindre doute. Même s'ils ont déjà rencontré le succès avec L'Âge de Glace, ils ne semblent pas réussir à briller de leur propre étoile, vivant des petits morceaux laissés entre deux gros monstres animés de la boîte de la petite souris aux oreilles. Mais pour autant, Saldana est un de ces cinéastes qui réussit à mettre quelque chose de plus dans ses films. Et si Rio ou Robots ne sont pas forcément des monuments du genre, ils restent des objets simples et justes, Ferdinand n'échappant pas à la règle et offrant un joli divertissement qui brille par une jolie écriture et une ambiance passionnante. Déjà au niveau de l'écriture, donc c'est adapté d'un roman de Munro Leaf et c'est écrit donc par Brad Copeland et Robert Delbert. On sent que le scénario repose avant tout sur une dynamique de message humain, message politique et histoire, on va dire, de découverte et de compréhension de l'autre. Parce que du coup, le film, au-delà de nous montrer un personnage donc qui est différent des autres, nous montre, et c'est là en fait la subtilité de l'écriture, un personnage qui va influencer les autres. On nous montre un influenceur qui va arriver au milieu d'un groupe, qui est déjà formé, qui est déjà forgé, qui a ses convictions, qui a ses motivations. Et ce personnage va amener d'autres motivations, va leur faire regarder le monde différemment. En fait, on est un petit peu sur un parcours initiatique à rebours parce que là où ce personnage a déjà ses convictions qui sont fondées, il va prouver aux autres que leurs convictions qui sont basées, on va dire, sur des modèles pas forcément justes, sont fausses et que donc du coup qu'ils doivent essayer de regarder le monde comme lui. Pas forcément qu'ils y sont forcés, mais simplement qu'ils doivent essayer. Et en fait, c'est ça la justesse de l'écriture de Baird et Copeland. C'est qu'il cherche simplement à nous montrer un personnage qui a des convictions qui sont bonnes, ou en tout cas qui sont basées sur de bonnes foi, et du coup ensuite, par cela, d'amener le regard des autres personnages à changer, à être sensibilisé par ce taureau, parce que ce n'est pas un homme, et du coup à avoir une nouvelle émotion qui va germer. Et en fait, tout le film et toute l'écriture reposent là-dessus. Après, on pourra dire ce qu'on veut. Ça reste cucu, simplet, grossier, cliché, facile, mais c'est juste. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus après ça? L'écriture donne lieu à de jolis instants, parvenant à créer quelque chose de vraiment bon, notamment dans la profondeur de ses réflexions, et surtout dans la justesse du traitement du personnage et des apparences, même si pour autant on pourra dire que des positions et des réflexions du film restent simplistes ou cucu. On ressent quelque chose de juste face à ce film. Émouvant, simple, touchant, c'est un moment de cinéma qui touche par une écriture délicate et suave, qui émeut et qui va au-delà des apparences, cristallisant quelque chose de sincère et de vrai, notamment dans le traitement et le développement politique du film, qui sonne comme dans l'air du temps. Au niveau de la mise en scène, on sent que Saldana, il cherche pas forcément à rendre son film extraordinaire, ou à rendre son film, on va dire, à faire de son film quelque chose de totalement novateur dans le genre, il cherche simplement à bien mettre en scène son film. Et du coup, il se sert de plans qui sont efficaces. Il utilise une animation qui est un petit peu rustique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas dans du photoréalisme. On est vraiment dans un travail de l'esthétique qui va créer une animation qui a une gueule particulière, qui a des sensations, qui a une physique et un regard, on va dire, sur le corps humain et sur le corps des animaux qui est à part. Donc du coup, on n'est pas sur une base où on est supposé voir un film où on va se dire « Waouh, c'est hyper photoréaliste ». On est plutôt sur une base où on se dit « Il y a une animation, il y a un travail, voyons ce que ça donne ». Là-dessus, ça fonctionne bien. Après, c'est pas non plus extraordinaire, comme j'ai dit, c'est pas une révolution, mais ça fait le taf. C'est juste, c'est simple,
Et on n'en demande pas plus en fait à ce genre de métrage. Au-delà de ça, la mise en scène de Saldana joue beaucoup en fait sur le fait de désamorcer en fait de nombreuses séquences. Parce que là où le film veut être, on va dire, à l'image de ses taureaux, c'est-à-dire fort, impressionnant, imposant, Saldana il cherche justement à épouser le regard en fait de Ferdinand, à montrer un monde qui est plutôt doux, qui est plutôt délicat, et du coup sa mise en scène joue beaucoup sur un travail des formes, sur un travail de la grandeur des personnages, mais également de la sensibilité qui se cache derrière cette grandeur. Et du coup, ça sonne vraiment comme quelque chose de neuf, de frais et de simple. Et c'est un peu à l'image de tout ce film finalement. C'est simple, mais ça fait le taf. Saldana montre que même s'il cherche avant tout à mettre en avant le propos sur la violence qui réside en chacun de nous et qui ne fait qu'amener de la violence par nos actions, il pose également quelque chose de simple au travers d'un jeu de cadre superbe et d'un humour qui fonctionne. Bon ok, cela peut sembler comme un petit peu trop cliché, voire même grossier, mais tout de même il faut admettre en premier lieu que le film est juste, sincère, profond, exact dans son ambition scénographique, même si pour autant, il faut bien admettre que le cinéaste ne cherche pas à révolutionner le cinéma d'animation, mais simplement à se fondre dans celui-ci et à embrasser ses codes. Au niveau du casting vocal, c'est toujours un petit peu difficile de juger parce que, au-delà d'avoir une difficulté monstre à trouver les doubleurs français qui s'occupent des voix dans ce genre de film, il faut reconnaître que faire du doublage, on va dire un petit peu comme dans n'importe quel boulot, si c'est bien fait, on va le remarquer, on va pas le remarquer et on va dire oh bah ça passe. Si c'est mal fait, par contre, on va tout de suite le pointer du doigt et en faire des caisses. Il faut reconnaître que là, le doublage est vraiment efficace parce que les différents acteurs qui sont derrière ces personnages arrivent vraiment à leur donner une personnalité, arrivent à les faire avancer, arrivent à les faire évoluer et donnent quelque chose de sincère finalement à ces personnages, à ces taureaux qui sont si imposants mais qui nous sont montrés finalement comme des âmes sensibles. Il est toujours difficile de juger un doublage, mais celui-ci est bon, simple, efficace et fait le taf, parvenant à nous plonger dans le récit et à nous aider à rentrer dans cette aventure et à aimer ce personnage tendre. Et donc au final, Ferdinand, bah c'est du bon cinéma d'animation, qui cherche pas à être extraordinaire, qui cherche pas à être flamboyant, mais on sent que Saldana, il a réussi à se remettre un petit peu de cette passade où il avait un petit peu du mal à apporter de la nouveauté à son cinéma d'animation, même s'il faut admettre que Rio était bon, ça n'égalait pas l'âge de glace, et Robots, bah voilà, ça reste un film que beaucoup ignorent, mais du coup, on sent que là, il renoue vraiment avec les qualités de l'âge de glace, la force et la forme en fait qui faisait le graphisme et on va dire le message du film. Et du coup là on se retrouve avec un Ferdinand qui est enjoué, qui est délicat, qui est simple et qui arrive à nous entraîner dans une histoire qui pourrait paraître grossière mais qui est d'une sensibilité, d'une finesse qui emporte vraiment le spectateur. Donc Ferdinand de Carlos Saldana, je vous conseille de le voir en salle parce que pour la famille déjà c'est hyper bien comme film et au-delà de la famille, même si on va le voir seul, on va y voir un message politique et rien que pour ça en fait c'est bien parce qu'il y a très peu de films d'animation qui ont un message politique finalement. Et un message comme ça, autant dans l'air du temps, bah ça mérite le coup d'être vu. A plus !